Quand la réalité dépasse la télé-réalité. C'est un scénario que n'avait sans doute pas prévu Chris Pouli en participant au dîner presque parfait. Selon le journal local La Semaine dans le Boulonnais, le jeune blogueur de 27 ans aurait été agressé en raison de son homosexualité. Si plus de 17 000 personnes suivent ses aventures sur son blog appelé Boulogne Lifestyle, il a aussi ses détracteurs. Dans la nuit du 23 au 24 mai, deux hommes l'auraient invité à la sortie d'une boîte de nuit, une fin de soirée qui va mal tourner. C'était en réalité un traquenard. Ils étaient 8, deux d'entre eux me frappaient, les autres filmaient la scène avec leur téléphone portable. Pendant plusieurs heures, j'ai été frappé et insulté en raison de mon homosexualité et j'ai reçu des menaces sexuelles, a raconté Chris Pouli à Téléstar. Après 4 heures d'horreur, c'est marqué au visage et avec une douleur à l'oreille qu'il serait allé porter plainte. Je veux parler malgré la peur, si je peux être un représentant de la cause homosexuelle à Boulogne-sur-Mer et de la France entière, si je peux aider des jeunes comme moi, alors je suis prêt à raconter mon histoire, explique à Téléstar celui qui compte bien continuer à faire ses chroniques, sa façon à lui de lutter contre l'homophobie.